bonsoir. Arrivé ce jour même à Accra, au Ghana, le président du FASO, Michel Kafando, a pris part aux travaux de la 47e session de la CEDEAO. La présente session ordinaire des chefs d'État membres de l'espace communautaire va se pencher sur la transition en cours au Burkina Faso, mais également sur la préparation des échéances électorales. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Et puis au Burkina Faso, la liberté inconditionnelle de la presse était au menu des échanges, le face-à-face entre gouvernement et professionnels de médias. Dans le même temps, le centre de presse Norbert Zongo était reçu par le président du Conseil national de la transition. Là aussi, la liberté d'expression a été discutée avec en perspective la tenue prochaine du FILEP. Une fois de plus, bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Michel Kafando est arrivé ce matin à Accra pour prendre part à la 47e conférence des chefs d'État de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne. Les chefs d'État et de gouvernement se penchent sur deux sujets majeurs que sont la sécurité et le développement économique, la transition en cours au Burkina ainsi que les challenges, notamment l'organisation de l'élection présidentielle, ne seront pas occultés dans les débats. Jean Zongo et Aboubakar Sagnon nous situent sur les enjeux de cette session. 6 mois après le début de la transition au Burkina, le président du FASO est à Accra pour échanger avec ses pairs de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et plus particulièrement au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Michel Kafando a été accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le vice-président ghanéen et le président de la commission de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale qui s'est pleinement impliquée dans la résolution de la crise au Burkina Faso va, au cours de cette 47e session ordinaire, faire une évaluation de la transition au pays des hommes intègres. Nul doute que l'organisation des élections générales qui se profile à l'horizon occupera une place importante dans les discussions. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO vont également examiner le rapport de la 34e réunion du Conseil de médiation et de sécurité et celui de la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Aux côtés du président Kafando, une dizaine de chefs d'État ont effectué le déplacement d'Accra. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette 47e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans la suite du journal, et je vous le disais en titre, le traditionnel face-à-face entre la presse et le gouvernement de la transition s'est tenu ce jour même. Cette fois, les hommes et les femmes de médias ont plaidé pour leur propre chapelle en insistant sur les questions qui découlent de la décision du CSC suspendant les émissions d'expression directe. D'autres sujets d'actualité ont été abordés et la synthèse est avec Dramane Guéné. 3 ministres face à la presse ce 19 mai. Il s'agit du ministre des Infrastructures, de celui de la Promotion de la Femme et du ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement traite ici des mesures envisagées par le gouvernement pour renforcer la liberté de presse au Burkina Faso. Le gouvernement se félicite de l'existence de la convention collective, en appelle à sa mise en œuvre effective dans tous les organes de presse. Aussi, tout est mis en œuvre pour poursuivre les combats qui nous tiennent tous à cœur, en faveur d'une dépénalisation de la presse, d'une fiscalité plus souple, d'un appui structurant pour la presse privée et d'un soutien continu pour une presse d'État au service des citoyens et du développement. Le ministre des Infrastructures, quant à lui, donne des détails sur les projets de bitumage des routes ratifiés le 5 mai dernier. D'un coût global de 150 milliards de francs CFA, ces projets seront exécutés entre fin 2015 et mi-2016. Concernant la route Kongoussi-Djibo, le démarrage des travaux est prévu pour décembre 2015 pour un délai d'exécution de 18 mois. La route Dédougou-Tougan, je dirais janvier 2016 pour un délai d'exécution de 24 mois. Pour la route Didier-Thomas-Tougan, date de démarrage janvier 2016 pour un délai d'exécution de 24 mois. En ce qui concerne la route Kantchari-Diapaga-Tansarga, frontière du Bénin, le démarrage est prévu pour juin 2016
pour un délai d'exécution de 24 mois. En ce qui concerne les fonds alloués à l'entrepreneuriat féminin, l'heure est au dernier réglage. Aucun bénéficiaire n'est encore rentré en possession de son prêt. Mais Bibiane Ouédraogo rassure. Le gouvernement de la transition n'a aucun intérêt à venir promettre des choses et ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, les ressources sont disponibles. C'est juste des petites questions pratiques qui restent. Et je crois que cet engagement sera honoré et vous aurez l'occasion de le constater. Donc, c'est pour très, très bientôt. Le constat fait ici est que les femmes rurales ont des difficultés pour accéder à ces prêts, eu égard à la précarité de leurs activités. Le ministre Bibiane Ouédraogo leur demande par conséquent de se regrouper au sein des associations afin de se faciliter l'accès au crédit les années à venir. Et sur le sujet de la liberté d'expression au Faso, les responsables du Centre national de presse Norbert Zongo se sont entretenus avec le président du CNT. Les difficultés qui entravent le fonctionnement de la structure ont été exposées à Chérif Sy. Et c'est dans ce contexte que va se tenir la prochaine édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, nous dit Nathalie Kaoré. C'est une visite des journalistes à un confrère qui, avant d'être président du Conseil national de la transition, était le président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo. Mais au-delà d'une visite de courtoisie, les responsables de ce centre sont venus soumettre des doléances au président du CNT. Nous sommes venus lui exposer un certain nombre de problèmes qu'il connaît déjà, mais pour voir comment il peut quand même nous appuyer par rapport notamment aux lois de presse, par rapport à la reconnaissance du centre pour être une structure d'utilité publique. Et en plus de ça, nous avons parlé de la question de l'autonomisation du centre. Bien entendu, la question d'actualité relative à la suspension des émissions interactives dans les médias audiovisuels a été évoquée lors de cette audience. Nous avons purement et simplement demandé dans les meilleurs délais, la levée de cette mesure-là, qui est une mesure rétrograde et qui fait reculer le Burkina Faso et nos médias. Ce débat a contribué beaucoup même à l'instruction populaire. Aujourd'hui, il constitue des socles pour les citoyens pour s'exprimer, critiquer l'ancien régime et critiquer aussi le nouveau régime. Et ça permet d'orienter un peu les gens et de prendre des décisions assez correctes s'il le faut. Le dernier point abordé à cette audience a été la 6e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse prévu du 16 au 19 septembre prochain. Chérif Sy était jusque-là président du FILEP. Les organisateurs sont donc venus demander son soutien pour la réussite de cette manifestation qui, selon eux, connaîtra la participation d'environ 200 journalistes du Burkina Faso et d'ailleurs. Dans la soirée d'hier, c'est l'ambassadeur de Cuba au Burkina qui était reçu en audience par le président du CNT. En plus de la diplomate cubaine, d'autres représentants de la société civile ont nourri des échanges avec Chérif Sy. Le point cette fois avec Driss Assere. L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Ana Maria Chongo, est venu apporter à la fois le soutien de son pays aux autorités de la transition et au processus de développement. En ce moment, 27 médecins travaille dans 100 régions de Burkina. Et au nom du gouvernement de Cuba, je voudrais aussi formuler au gouvernement de la transition, au peuple burkinabé, les meilleurs vœux dans cette importante année de transition. Acteur du développement, le Laboratoire Citoyenneté est une organisation de la société civile spécialisée dans la gouvernance locale. Il est venu solliciter l'accompagnement du président du CNT pour la mise en œuvre d'un renouveau de la décentralisation burkinabé. La vraie décentralisation, celle qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations en les faisant participer à l'exercice du pouvoir local, en les faisant participer à la création de richesses, de biens et services pour les populations, cela n'a pas encore été opéré. Les communicateurs auront un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du renouveau de la décentralisation. L'Union catholique africaine de la presse
Elle est venue rendre une visite de courtoisie au président du CNT. Nous sommes venus pour lui dire que l'UCAP Burkina est disposé à l'accompagner et lui faire part des projets de notre union, à savoir certaines activités dont la principale qui est la semaine du communicateur catholique qui se tiendra bientôt en fin juin et qui se penchera sur les défis de la couverture électorale. À la suite de la presse catholique, le secrétariat permanent des ONG est venu faire part à Chérif Sy d'une série d'actions qu'il compte mener et lui demander de faire en sorte que dans notre pays, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit reconnu comme un droit à travers la loi fondamentale qu'est la Constitution. C'est aussi fort de cet engagement qu'il lui reconnaît que le mouvement de solidarité pour le droit au logement est venu rencontrer un camarade de lutte. Objectif, lui soumettre des doléances qui concernent les textes sur la loi foncière. Le CDP, nouvelle version, selon les dires de son tout nouveau président, mettra tout en œuvre pour reconquérir le pouvoir d'État. Eddie Comboigo a rencontré la presse pour présenter les défis actuels et futurs du Congrès pour la démocratie et le progrès. Les précisions dans ce compte-rendu de Maxime Zongo. Bâtir un CDP en phase avec son époque, voilà l'ambition de la nouvelle équipe conduite par Eddie Comboigo. Le défi majeur, asseoir un nouveau contrat pour la reconquête du pouvoir d'État. Et ce nouveau contrat qui se décline en projet de société intègre, a insisté le nouveau président, tous les segments de la société avec un accent particulier à l'endroit de la jeunesse. Nous avons bien compris et tiré les leçons en faisant preuve d'intelligence pour poser un nouveau contrat de développement économique, social, culturel pour la reconquête du pouvoir d'État. Soyez rassurés que le CDP a conçu un projet de société pour bâtir un Burkina nouveau, un Burkina où les jeunes sont l'espoir, où les femmes participent activement et constituent le levier du développement. Un Burkina où les anciens sont les bâtisseurs de l'avenir et la sagesse pour garantir la paix. S'exprimant sur la sanction infligée à la FEDABC, Eddie Comboigo dit ne pas comprendre que seule cette structure soit ciblée alors qu'elles sont nombreuses, les OSC qui s'affichent politiquement sans être inquiétées. Concernant le nouveau code électoral, le CDP, selon son nouveau président, entend poursuivre le dossier à travers toutes les instances légales. Pour le choix du candidat CDP, la réflexion se poursuit et l'opinion sera informée en temps opportun, a-t-il précisé. Les militants anonymes, c'est-à-dire ceux qui sont à la base, sont ceux-là qui sous-tendent la philosophie même de l'UPC. Le président de l'Union pour le progrès et le changement l'a réitéré dans la province du Tuy au cours d'une tournée politique. Kadou Romenki revient sur les étapes de cette tournée dans le reportage que voici. Koti, une commune rurale de la province du Tuy. Ici, s'approvisionner en eau potable relève d'un parcours du combattant. Quoi de plus logique pour ces militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement UPC d'en faire le plaidoyer auprès de leur premier responsable, leur candidat sur qui ils comptent pour le solutionnement de ce problème d'adduction en eau potable et bien d'autres préoccupations majeures. Ce qui nous importe réellement, c'est l'eau, la santé, l'éducation. Même préoccupation exposée ici par les populations de Bereba, une autre commune rurale de la province du Tuy. Zéphirin Diabré se dit prêt pour relever les défis du développement. Mais au préalable, les militants de l'UPC doivent accomplir leur devoir par le biais du vote. C'est parce que les politiciens là viennent rester dans les capitales là, et dans les salons climatisés qu'ils n'entendent pas les vrais problèmes. Or, nous, on veut entendre les vrais problèmes parce que ce sont des problèmes que nous aurons à résoudre le lendemain du 11 octobre. Vieux et jeunes Lyonnais ont tous réaffirmé leur engagement à porter l'UPC à Kossiam au soir du 11 octobre prochain. La tournée a pris fin ici à Oundé, dans une ambiance bon enfant, tout en insistant sur la nécessité du vote pour un changement au Burkina Faso.
Les recommandations issues des États généraux de la justice ne restent pas dans les tiroirs, en témoigne cette rencontre de travail. Elle a réuni l'ensemble des acteurs sous la bannière du ministère en charge de la justice pour réfléchir et valider des avant-projets de loi organiques. Ceux-ci sont relatifs au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature. Nathalie Savadogo. Le peuple burkinabé a mal à sa justice depuis plusieurs décennies. Et il n'est un secret pour personne. Ces mots sont du ministre en charge de la justice. Joséphine Ouédraogo et ses collaborateurs réfléchissent ici sur les avant-projets de loi organique relatifs au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature. L'objectif est d'amender les différents textes en vue de renforcer l'indépendance de la justice. Ce sont des textes qui sont dans le collimateur depuis déjà longtemps et qui étaient pratiquement en phase de finalisation l'année passée. Celui sur le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, devait même être adopté par l'Assemblée nationale, mais avec l'insurrection populaire, ça n'a pas été possible. Et heureusement pour nous, parce que ça nous a permis de revoir ces textes, d'être beaucoup plus inclusifs dans leur analyse et de pouvoir mettre en avant aussi des préoccupations qui ressortent également des différentes rencontres. La France accompagne le Burkina Faso dans sa quête permanente pour une justice forte en adéquation avec les aspirations du peuple. On tient à rester présent parce que le travail qui est effectué par la transition dans ce domaine-là est très important. Les attentes sont fortes depuis des années et il faut faire avancer les dossiers. Les résultats de cet atelier seront transmis au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil national de la transition. Tout n'est cependant pas rose au sein de la famille judiciaire. Certains de ses membres, notamment les greffiers, sont en grève depuis le 11 mai dernier. Le syndicat national des agents de la justice et celui des greffiers ont donné à la presse les raisons de cette grève. C'était ce matin et le compte-rendu de la conférence de presse, c'est avec Lazare Pouya. En grève depuis le 11 mai et cela jusqu'au 10 juin prochain, les membres du syndicat national des agents de la justice et celui des greffiers du Burkina exigent du gouvernement l'adoption et l'application des décrets restants de la loi 054 du 18 décembre 2012 portant statut du personnel du corps des greffiers. Il s'agit spécifiquement des décrets portant grille indiciaire et celui portant régime indemnitaire. Et ce face-à-face avec les hommes de médias visait à informer les journalistes et les justiciables les raisons de cette grève. Nous nous disons donc de prendre purement et simplement donc les décrets d'application donc de la loi 054-2012. Donc, pour que nous aussi, on puisse passer. L'objectif, c'était d'améliorer le fonctionnement du service public de la justice. La loi est intervenue également après 21 ans d'injustice que le corps a subi. Dans sa déclaration liminaire, le secrétaire général du syndicat des greffiers du Burkina a lancé des appels au respect du droit de grève et au soutien des acteurs de la justice. L'objectif étant d'amener le gouvernement à son engagement. Nous disons tous ceux qui sont dans la ligne de mire. Dans ce retard injustifié et injustifiable, c'est au gouvernement de prendre la responsabilité et de sanctionner tous ceux qui sont dans la ligne de mire et qui causent ce retard, qui ne se justifient même pas. Et vous vous rappelez, l'ensemble des mouvements passés, nous avons dit, nous n'avons même pas exactement quelle est la cause de ce retard. Maître Tapsoba a également dénoncé les actes de sabotage, l'acharnement, les tentatives d'intimidation, les propos désobligeants et la pléiade de réquisitions servies aux greffiers en violation avec les principes du droit de grève et de la liberté syndicale. Au sein de la Société africaine de pneumatique, il prévaut un climat des plus tendus entre patronat et employeur. La situation peut se résumer à la demande de l'un d'améliorer les conditions financières des ouvriers. Des précisions ont tout de même été données par la coordination de l'unité syndicale des Hauts-Bassins. Kadou Romenki pour le reportage. C'est en présence des employés de la SAP, la Société africaine de pneumatique, que s'est tenu ce face-à-face entre syndicats et journalistes. Sur la table de discussion, la situation latente entre patronat et employés sur les points de revendication concernant l'indemnité de logement et le relèvement du taux d'échelon.
Pour la classe syndicale, les employés doivent mieux bénéficier du profit financier réalisé dans l'entreprise. En vérité, la SAP appartient aux travailleurs. De toute façon, ils sont installés depuis avant-hier, donc depuis hier, ils sont là-bas. Les cadres, les directeurs sont tous à la SAP. Mais je peux comme ça, là, mettre mon doigt au feu qu'ils sont incapables de produire un pneu. Ce sont nos camarades-là, quand ils vont rentrer, c'est eux qui vont produire les pneus, qui vont produire les chambres à air. Et c'est eux qui vont donner vie à la SAP. Sinon, même eux, là-bas, la SAP reste un cimetière. La SAP, à travers un communiqué, a invité ses employés à une reprise des activités. Mais à en croire la classe syndicale, le redémarrage des activités reste conditionné à la suite que les patrons de la SAP donneront à la plateforme revendicative. Motion de satisfaction pour le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. En se rendant sur le chantier de l'hôtel administratif du centre, René Bagoro a pu apprécier l'état d'avancement de la construction. Repris depuis le 20 avril dernier, les travaux évoluent et au dire des entrepreneurs, s'achèveront en septembre prochain. Moumouni Soubeïga, reportage. C'est la deuxième visite que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme effectue sur le chantier de l'hôtel administratif du centre. Accompagné de techniciens et d'entrepreneurs, René Bagoro parcourt les différents lots et segments du chantier pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Côté entrepreneur, le rassure. On s'affaire à mettre l'ensemble des ouvrages pour la fin des grosses œuvres d'ici fin mai. Et entreprendre véritablement les travaux des œuvres secondaires. Les perspectives sont assez favorables pour terminer les travaux d'ici septembre. Suite aux défaillances et retards constatés dans l'exécution du chantier, le Conseil des ministres du 11 février 2015 a dû recourir à des sanctions en plaçant le chantier sous régie. Sous régie, parce que le problème qui se posait, c'est que l'entreprise n'avait pas du personnel. Ça veut dire que l'État intervient directement pour veiller, surveiller, coordonner et gérer l'activité. Aujourd'hui, les résultats semblent concluants à la satisfaction du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le niveau d'avancement est satisfaisant et si on continue à ce rythme, nous ne doutons pas que fin juin, les travaux nous seront rendus. Mais nous allons être vigilants. Le ministre René Bagoro a réitéré aux entrepreneurs commis à la tâche son vœu de réceptionner les bâtiments dans les délais et dans le respect des normes qualitatives. Le coût global de l'exécution est estimé à 14 milliards de francs CFA. Les bâtiments abriteront les ministères et permettront à l'État de regrouper les administrations publiques et de réduire les charges d'exploitation des bâtiments publics. Un impact environnemental maîtrisé, mais surtout plusieurs emplois directs créés. Nous sommes à quelques 40 km de Manga, dans le Zunwego. Kiaka Gold, filiale de B2Gold, est sur le point d'ouvrir un site minier dans la commune rurale de Gogo. Les promoteurs ont convié le gouverneur de la région du centre-sud sur le site qui va accueillir la mine. Visite guidée et commentée par Ismaël Diloma Sirima. Avant d'ouvrir officiellement ses portes avec le permis d'exploitation, Kiaka Gold, une filiale de B2Gold, a reçu des invités de marque. Le gouverneur de la région du centre-sud, accompagné des directeurs régionaux, ont pu visiter le site qui va abriter la mine, ainsi que la réserve des différents échantillons de roches prélevées qui prouvent qu'il y a près de 150 tonnes d'or sur ce site. Il fallait absolument que nous demandions au gouverneur de bien vouloir venir regarder ce que nous faisons, de comprendre ce que nous faisons, pour mieux nous supporter, pour mieux apporter l'information à travers éventuellement la région. L'installation effective de la mine de Kiaka, selon le représentant pays de B2Gold, va nécessiter 500 millions de dollars américains et cela devrait générer au moins 700 emplois permanents dès son démarrage. Ce qui est sûr certain, c'est que nous avons déjà déposé notre demande pour que le ministère puisse statuer par rapport donc au permis d'exploiter. Nous pensons que dans les mois qui viennent, nous allons avoir ce permis. Kiaka Gold, qui dit se soucier de la nature,
a déjà finalisé l'étude de l'impact environnemental. Et pour minimiser les dégradations, des stratégies sont prévues. En ce qui concerne l'eau potable, nous vous avons dit déjà maintenant, nous avons tous les forages qui sont aux alentours de la mine, nous avons commencé à prendre des échantillons tous les 3 mois pour envoyer au laboratoire pour analyse. Cela va nous permettre en fait de savoir si la nappe est polluée ou pas quand nous allons commencer à faire la mine. Il ne s'agit pas d'attendre de faire la mine avant d'aller chercher justement ces échantillons-là. Il faut déjà analyser l'eau avant et pendant. L'installation de la mine de Kiaka, qui devrait être effective entre 2016 et 2017, ne devrait pas nécessiter de déplacement de population. Seuls 2 sites d'orpaillage artisanal et 100 de hameaux de culture seront touchés. Et Kiaka Gold a déjà envisagé les différents dédommagements. Pour sa 4e édition, le CEMICA va se pencher sur la contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CEDEAO. Le 28 mai prochain, Ouagadougou sera le lieu de convergence d'acteurs de ce secteur et il sera fait la promotion des matériaux locaux et du savoir-faire, lui aussi local. Les promoteurs du Salon international de l'énergie des mines et des carrières ont donné plus de précisions sur la tenue prochaine de l'événement. Claudine Dimabio, Bikaba. Après de 2 semaines du Salon international de l'énergie des mines et des carrières CEMICA, les organisateurs font une halte avec la presse pour faire le point de l'organisation. Une organisation qui serait à un taux de réalisation de 90%. Nous avons voulu cette année renforcer la sécurité physique ainsi que la sécurité sanitaire au vu des menaces qui planent sur la sous-région. Donc des mesures ont été prises pour que l'ensemble des participants puissent vivre un CEMICA en perpétuité. Donc il est important de rappeler à tout le monde que pour avoir accès à l'aire du CEMICA, il faudra posséder un badge et les services de délivrance des différents types de badges seront disponibles aux entrées. Cette 4e édition du CEMICA réunira les hommes d'affaires d'une 50aine de pays africains et est placée sous le thème « Contribution du secteur minier à l'émergence des États de la CEDEAO, promotion des matériaux locaux et de la fourniture de biens et services miniers ». Il est question pour nous d'aborder la question en présence des gouvernants, des entreprises minières et de la société civile pour voir ensemble quelles sont les meilleures pratiques que nous pouvons tous adopter afin que le maximum de la richesse minière produite bénéficie aux populations locales. Le CEMICA se déroulera du 28 au 30 mai prochain et sera une tribune pour les responsables d'entreprises, les consultants et experts internationaux d'échanger et de nouer des relations d'affaires pour un secteur minier plus compétitif au Burkina Faso. La ministre chargée déléguée du budget est allée galvaniser ses collaborateurs des structures déconcentrées du Centre-Est. Amina Bila n'a pas manqué d'encourager ces derniers dans leur mission de mobilisation des recettes dans un contexte où l'État en a le plus besoin. La teneur des échanges avec Badaniel Kambou. En se rendant dans la région du Centre-Est, la ministre déléguée chargée du budget avait à cœur de s'imprégner des conditions de travail de ses agents, mais aussi de les encourager à redoubler d'efforts dans leurs tâches quotidiennes. Lorsque nous avons pris service aux fonctions, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et moi, nous avons promis au personnel, à nos collaborateurs qui sont au niveau déconcentré, de leur rendre une visite pour véritablement les encourager afin qu'ensemble on puisse atteindre les missions qui nous ont été assignées au ce gouvernement de transition. Chargés de la mobilisation des recettes pour le compte de l'État, ces agents ont donc saisi l'occasion pour présenter des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Les différentes structures déconcentrées du ministère de l'Économie ont plus ou moins des problèmes communs. C'est essentiellement des problèmes d'ordre du personnel, c'est-à-dire que le personnel n'est pas en nombre suffisant et en qualité aussi. Et également au niveau du personnel de soutien, vous avez suivi les différentes interventions. Quand vous prenez une structure qui ne dispose ni de secrétaire ni d'agent de liaison, vous voyez que c'est un peu difficile. Il y a le problème de la logistique. Le parc automobile est vieillissant alors qu'il y a de grandes distances à couvrir. À toutes ces préoccupations,
Madame Amina Bila entend apporter des solutions. C'est vrai que le temps de transition reste quand même très limité, mais les solutions que nous allons proposer, ce sont des solutions qui pourraient être de court terme, ça c'est évident. Mais il y a des solutions de moyen et de long terme, et nous sommes convaincus que le prochain gouvernement qui viendra, qui j'imagine aura encore plus de défis que ce gouvernement de transition, n'aura de choix que d'aller dans ce sens. Cette sortie du ministre de l'Économie et des Finances est la troisième du genre après celle de Banfora et de Bobo Dioulasso. Le dynamisme, lui aussi, est prôné par de jeunes entrepreneurs regroupés au sein d'une union, l'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina, en abrégé UJEB. Née en 2012, la structure encourage les pépinières d'entreprise avec pour vœu de les devenir actrices influentes de l'économie burkinabé. Azar Pouya a rencontré le président de la structure qui décline plus en détail les objectifs de l'Union. Notre message pour la conférence de presse de ce matin, c'était dans un premier temps plutôt notre structure, les objectifs et les missions. L'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina est une structure qui est née de la volonté d'un groupe de jeunes entrepreneurs soucieux du développement de leurs entreprises. Les objectifs, c'est de promouvoir le secteur privé au Burkina et également de favoriser l'insertion des jeunes dans le tissu économique. Voilà, également d'accroître les opportunités d'affaires des différents membres. Actuellement, nous avons implanté la structure dans certaines régions. Nous avons en vue une journée d'échange avec le gouvernement afin de diagnostiquer les maux qui minent l'entrepreneuriat au Burkina, faire des propositions, des suggestions et attendre maintenant des autorités, des solutions. Voilà, à court, à moyen et à long terme. Et puis, les garants de la tradition des us et coutumes étaient à l'honneur hier 18 mai. C'était la journée internationale des musées. Sur le plan national, la commémoration est plutôt studieuse, puisqu'il se tient un séminaire sur le trafic illicite des biens culturels. À Ouagadougou, les participants sont venus de plusieurs régions du pays et s'inscrivent dans la lutte contre le trafic du patrimoine culturel. Adama Koulibaly, reportage. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, tous responsables des comités nationaux des pays membres de l'ICOM, Comité international des musées. L'événement qui les réunit est un séminaire international sur le trafic illicite des biens culturels. L'objectif d'une telle rencontre qui se tient à l'occasion de la Journée internationale des musées est de réfléchir sur le rôle des musées dans le processus de développement social et de faire l'état des lieux face aux menaces dues au trafic et au vol du patrimoine culturel qui est au troisième rang des activités criminelles à l'échelle mondiale. Nous attendons aux sorties de ce séminaire-là qu'ils fassent des propositions suffisamment pertinentes et audacieuses aux États afin que les États s'en saisissent pour imaginer ensemble la lutte contre le trafic qui ne peut pas se faire dans un seul pays. Vous avez suivi, le phénomène est international, voire mondial, et donc il faut que plusieurs pays se donnent la main pour être plus efficaces ensemble. Et vous savez, de muséologie est un travail qui est scientifique, qui n'est pas aussi simple qu'on le pense. On ne prend pas les objets comme on prend n'importe quel ustensile. C'est dans des conditions extrêmement précises avec des méthodologies qui sont éprouvées. On observe dans des conditions de sécurité maximale. Les gens ne le savent pas, mais un musée est censé être comme une banque pour les biens culturels. Au terme des travaux, les représentants des pays membres de l'ICOM devraient s'approprier les outils de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Il va s'agir de se servir des collections existantes pour les communiquer au public et de toujours faire l'inventaire du patrimoine culturel. C'est aussi le lieu d'échange d'expériences dans la lutte contre ce phénomène mondial contemporain qui risque d'affaiblir les sociétés à long terme. Actualité sportive à présent avec les Jeux universitaires 2015. Le cyclisme était à l'honneur hier sur l'avenue Charles de Gaulle. Zenabou Konombo a remporté la course chez les dames et chez les hommes. Mathias Sorgho a survolé les 20 km en 30 minutes et 50 secondes. Le fil de la compétition avec Kalfa Ouattara et Lassina Savadogo.
L'introduction de la course cycliste est l'innovation majeure de ces 4e Jeux universitaires. Sur l'avenue Charles de Gaulle, deux compétitions ont permis aux étudiants venus des différentes universités de montrer leur savoir-faire sur la petite reine. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment les étudiants qui font vraiment le cyclisme. Donc moi, je pense que vraiment nous devons encourager et même voir si nous pouvions formaliser cela en attribuant vraiment des bourses d'études à nos jeunes cyclistes qui peuvent vraiment représenter valablement l'Afrique. Dans la première course, 15 étudiants ont pris le départ pour un circuit fermé de 2 km à parcourir 5 fois, soit 10 km au total. Sur cette distance, Zenabou Konombo s'est montré intraitable et remporte la course en 19 minutes 40 secondes, soit une vitesse moyenne de plus de 30 km/h. Course est course, ça dépend de la force physique. Donc je peux dire que je me suis donné tout pour gagner cette course. Le départ des cyclistes hommes a été retardé car certains ont voulu compétir avec des vélos professionnels, ce qui n'était pas admis par le règlement. Au finish, 41 coureurs se lancent à la conquête de la moto mise en jeu pour le premier prix. Les 20 km ont été survolés par Mattia Sorgo qui n'avait visiblement pas d'adversaire. Il faut se dire qu'aux prochaines éditions, nous aurons la discipline cyclisme. Et nous allons essayer autant que peu avec la Fédération de cyclisme engager progressivement des compétitions régulières pour permettre à ces jeunes talents de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas de rejoindre l'élite nationale du cyclisme qui, je le rappelle encore, vient de faire une grosse performance au niveau du Togo. Les courses permettront de forger de nouvelles vocations à l'image de Mattia Sorgo, le vainqueur du jour, le premier étudiant cycliste à signer un contrat professionnel dans un club cycliste du Faso. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve à 22h15 pour la dernière session d'information. Bonsoir.